Le monde a changé. L'Europe aussi doit changer. Nous, les Européens, vous proposons de changer radicalement l'Europe, en la recentrant, en la concentrant sur quelques missions stratégiques, mais essentielles. L'Europe doit garantir notre sécurité, avec un FBI et un parquet européen chargé de lutter contre le terrorisme, les fraudes et le grand banditisme qui profitent de nos frontières. Nous devons construire la défense de l'Europe, notamment dans le domaine spatial, de la cybersécurité, des drones ou de nos grands programmes d'armement. L'Europe doit avoir la mission de contrôler les migrations avec des gardes-côtes européens et une police des frontières. Chaque pays doit rester souverain pour décider qui l'accueille ou qui ne l'accueille pas. Et c'est l'Union qui doit délivrer les visas tout en gardant nos frontières de façon uniforme pour qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. L'Europe doit être le grand défenseur de notre planète et devenir le premier continent vert. Nous portons de grands projets pour sauver le climat et notre terre. Sur le modèle de notre livret A, qui finance nos logements sociaux, nous voulons un livret E, comme Europe et environnement. L'Europe doit permettre à tous les citoyens de financer la sauvegarde de la planète tout en épargnant. Une nouvelle politique agricole commune, bien plus ambitieuse, doit nous garantir l'indépendance, la sécurité et la qualité alimentaire, tout en préservant l'environnement et en assurant un vrai revenu à nos agriculteurs. Comme nous avons su le faire pour Ariane ou Airbus, nous construirons une véritable stratégie industrielle et de recherche pour notre continent, avec des règles de préférence européennes. L'Europe doit avoir pour ambition de devenir leader mondial de l'intelligence artificielle, de l'ordinateur quantique, des biotechnologies, des nanotechnologies et des écotechnologies. Nous ne voulons plus de travailleurs détachés, moins payés et moins protégés que nous. Pour nous, la règle doit être claire. Quand on travaille dans un pays, on y touche le même salaire et on y paye les mêmes charges sociales que les citoyens de ce pays. Nous exigerons de rapprocher nos règles sociales en même temps et au même rythme que la fiscalité des entreprises. Notre Europe doit devenir une arme pour que nos pays sachent se faire respecter et construire leur puissance face aux États ou aux multinationales. L'Europe doit par exemple obliger les géants d'Internet à payer chacun d'entre nous pour nos données avec lesquelles ils gagnent des milliards. Notre liste, les Européens, vous propose cette Europe nouvelle qui défendra enfin efficacement nos emplois, notre planète et nos modes de vie.